tous. Je suis très heureux d'être ici à la cathédrale de Moscou pour la cinquième fois et pour présenter un programme qui comprendra d'une part des œuvres de Jean-Sébastien Bach, un concerto transcrit de Vivaldi ainsi que les six célèbres chorales Schubler, mais également une large partie consacrée à la musique française du XVIIIe siècle avec le dialogue de Louis Marchand, mais également de la musique romantique et symphonique française avec des pièces de Franck Vierne, qui était organiste à Notre-Dame de Paris, et Charles-Marie Vidor avec le premier mouvement de sa sixième symphonie. C'est un instrument vraiment très intéressant ici à la cathédrale qui permet justement de jouer ce large répertoire puisqu'il possède une variété de timbres assez large, une grande palette sonore avec beaucoup de couleurs dont je vais pouvoir me servir dans les chorales de Bach par exemple, mais qui permet également d'utiliser beaucoup de ressources pour la musique symphonique française, notamment la pièce de Charles-Marie Vidor. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vais donner ce concert ici demain soir.